Bonjour à tous. On va fêter aujourd'hui les 100 abonnés. Allez, 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 allez. Alors voilà, oui, une petite vidéo avec petite vidéo pour vous remercier à tous mes chers abonnés. 10 000 vues, on a dépassé aussi les 10 000 vues, c'est quand même énorme. Donc beaucoup de vues aussi pour les épisodes de Charivan en exclusivité, mais aussi la vidéo la plus regardée, c'est celle d'Ixor, celle où je présente ma collection, t'arrêtes. Donc on va couper le gâteau, on a le couteau. Donc une vidéo que je dédie à mon premier hater aussi, mon premier hater qui s'est exprimé, voilà, hein, qui m'a insulté, voilà, très bien, devant tout le monde. Voilà, un petit gâteau pour toi aussi, je te coupe une part, hein, tu viens si tu veux. C'est pas ta tête. Eh ben tu manges avec les doigts. Le bon gâteau. Alors voilà, on va continuer, hein, ce n'est que le début de l'aventure, hein, et donc on va continuer à parler de jeux vidéo. Même si je n'ai pas la science infuse du jeu vidéo, hein, on va parler de jeux anciens, de jeux que j'aime. Voilà, en fait, je voulais quand même expliquer pour répondre aux petites attaques, mais je le ferai plus, parce que je vais en avoir d'autres, des attaques, des critiques non constructives, on va dire. Alors, je fais des vidéos pour m'amuser, pour moi, mes amis, et pour ceux que ça peut intéresser. Les thèmes vont peut-être les intéresser, peut-être pas. Alors des fois, oui, on fait les vide-greniers, mais bon, faut pas m'accuser non plus de rafler tous les jeux vidéo du monde et d'être coupable de la hausse des prix des jeux vidéo rétro. J'aime pas trop les voleurs et les fistes. Un peu sec, hein. T'aimes pas? Qui l'a fait? Non, qui l'a fait? Oui, ah ben voilà, un peu de respect pour le magasin. Hein. Je sais, c'est dégueulasse, je parle à bouche pleine, je vais encore me prendre plein de critiques. Ah oui, parce que j'achète, c'est vrai que j'achète des jeux, alors je suis pas... Alors déjà, je suis pas un gros gamer, je dois jouer une heure par mois, hein, au mieux. Alors, si je collectionne les jeux, c'est juste pour moi, on va dire pour ma culture du jeu vidéo personnel, les jeux que je connais, les jeux qui ont marqué leur génération. Je collectionne aussi, bon... pour mes neveux qui sont là, hein, tout ce qui est PSP et les jeux récents, hein, mais les jeux anciens les intéressent aussi, et je leur fais découvrir par la même occasion. Vas-y, essaye de voir si ça marche toujours. Ouais. Alors oui, j'ai même osé dire que... comment ça s'appelle, Manhunt était un FPS. Ah mais c'est grave ça, oh hey. Excusez-moi, je ne connaissais pas, j'ai regardé la jaquette derrière, il y avait des plans en vision subjective. Oh. Subjectif, j'ai cru que c'était un FPS. Alors, je sais que je vais en avoir encore plein, hein, des haters, c'est mon premier. Alors, bon, alors ils se considèrent pas comme un hater, hein, parce que les haters, normalement, c'est que pour. Tu vois pas que je parle? Les haters, c'est que pour les gens connus. Alors, non, je ne suis pas connu, en effet. Et pourtant, j'ai quelqu'un. Qui m'insulte devant tout le monde. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un hater, excuse-moi. Alors je suis pas connu, je sais pas si je vais l'être, peut-être que je serai pas, hein, et puis tant pis, hein. Si ça arrive un jour, tant pis aussi, parce que ça va pas, peut-être pas me rendre service forcément, hein. C'est pas ce que je cherche à faire des vidéos pour le plaisir, pour partager mes trouvailles. Partager mes maigres connaissances, parce que j'en ai très très peu, hein. Je n'ai aucune légitimité avec un R à la fin pour parler de jeux vidéo. En effet, ne peuvent parler de jeux vidéo et avoir des haters que les gens connus. J'arrive pas à parler tranquille. Alors ne peuvent avoir des haters que les gens connus, ok, hein. Ne peuvent parler de jeux vidéo que des gens cultivés. Cultivés, hein? Voilà. Comme c'est pas mon cas, hein? Et pas le nôtre. Eh ben, vous savez quoi?
on s'en fout, on va continuer, à faire la fête. Alors, en fait, Games 2A TV, hein, je réexplique un petit peu, c'est une chaîne voilà, où je parle des jeux vidéo que j'aime, des jeux vidéo qu'on aime, hein, avec mes potes, avec Marco, avec mes neveux, des jeux vidéo qu'on trouve, qu'on collectionne. On cherche à partager un petit peu nos découvertes. Alors, hein, on n'a pas découvert l'eau chaude, hein, c'est sûr, hein, on n'a rien découvert d'inédit, hein, sûrement pas. Mais voilà, on partage nos expériences sur YouTube. Hein, je vois que ça dérange des personnes, je suis désolé. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein, justement. On n'est pas là non plus pour priver les gens de jeux vidéo, ni pour faire augmenter le prix des jeux vidéo. Non, on est là parce qu'on veut... On veut fédérer, on veut sans aucune autre ambition qu'une ambition locale, hein, je dirais, hein, sur la Corse. On veut fédérer un petit peu, on veut essayer de monter une association. On veut essayer de montrer que on peut être passionné de jeux vidéo et trouver des choses et de rétro gaming et trouver des choses intéressantes aussi en Corse, voire se les fabriquer soi-même, se les réparer soi-même. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas encore eu beaucoup de vidéos, hein, sur les réparations et les choses techniques, mais ça va venir, ça fait partie des projets. Il y aura beaucoup de vidéos encore, ne vous en faites pas. Donc très prochainement, il y aura encore une vidéo vide-grenier. Hein, désolé, ça va déplaire à tous mes détracteurs. Donc merci à tous ceux qui se sont exprimés, hein, avec des critiques constructives, avec des remerciements, des félicitations, c'est toujours cool, c'est toujours sympa, ça aide à continuer et on continuera à partager des choses avec vous, du coup, ne vous en faites pas. Merci au seul hater qui s'est exprimé, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, ou vous pouvez aussi la fermer, hein, très bien aussi la fermer, hein, si c'est juste pour insulter et me traiter de je ne sais pas quoi. Bon, moi, on m'a traité de gogol, quoi. Ah bon ? Ah oui, hein. Ceux qui traitent gogol les gens, c'est ceux qui sont des gogol. Ah ouais. Et puis d'abord, c'est celui qui dit qui est, d'accord ? Merci, gros bisous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci à tous les nouveaux abonnés, merci.